Qu'est-ce que le diable? Que signifie le diable? Que représente le diable dans les religions? Pour comprendre cette notion de diable, il faut déjà comprendre comment on fonctionne dans notre tête. Comment notre tête fonctionne? La tête fonctionne avec ce qu'on appelle le mental. Et le mental, c'est quoi? C'est notre capacité à comprendre le monde via les perceptions. D'abord, les cinq sens perçoivent des morceaux du monde, ce sont des morceaux limités. Par exemple, un aigle voit beaucoup mieux que nous. Nous, on voit beaucoup mieux qu'un chien, mais un chien entend beaucoup mieux que nous. Donc déjà à la base, il y a un problème de canaux de perception parce que les cinq sens sont limités. Ensuite, les morceaux qui sont perçus par les cinq sens sont sélectionnés et interprétés par le mental. Par exemple, on n'entend pas tout, on ne voit pas tout, on peut regarder par la fenêtre dans la rue, mais par contre, si on pense à ses examens ou si on pense à autre chose, on ne voit pas ce qui se passe. De la même manière, on n'entend pas tout, les bruits sont sélectionnés par le mental. Donc le mental fonctionne en mettant en rapport des morceaux sélectionnés de la réalité qui sont au préalable découpés par les perceptions. Donc vous voyez, c'est un mode de fonctionnement très limité. Et ce mode de fonctionnement-là, c'est un fonctionnement diabolique. Le diable, diabalein, est ce qui coupe la trajectoire d'un bolide. C'est le mental qui coupe le mouvement continu du réel. La réalité est comme un bolide constamment en mouvement. Autrement dit, le mental découpe la réalité pour en former des images. Et donc ces images-là sont fausses, puisque mutilées. Bon, tout ça c'est bien gentil, mais et alors? Donc on fonctionne très bien avec notre mental, on arrive à travailler, on arrive à manger, on arrive à faire des tas de choses, mais quel est le problème? Pourquoi il y a une telle symbolique diabolique autour de tout ça? Le problème c'est que quand un individu s'identifie avec son mental et avec sa perception limitée et des morceaux choisis de la réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va s'identifier avec des choses finies. Or, la conscience n'est pas quelque chose de fini, elle est infinie. Par exemple, notre capacité de compréhension est infinie, on peut comprendre des choses infiniment, indéfiniment en tout cas. Donc, le problème, c'est que quand la conscience qui est infinie ou indéfinie se confond avec le mental qui est quelque chose de fini. Donc, l'individu va se chercher dans des choses finies. Et puisqu'une partie de l'individu, une partie de lui-même est infinie, ça ne s'arrête jamais. C'est pour ça que le milliardaire en veut toujours plus. Le séducteur veut toujours plus séduire. Celui qui cherche le confort, cherchera toujours le confort encore plus. Celui qui veut briller, il cherchera à être reconnu toujours plus. Il n'y a pas de fin à ce mécanisme. C'est un mécanisme qui ne peut pas se poser, se reposer. C'est un emballement permanent, une insatisfaction permanente. Toujours plus, toujours plus, toujours plus, c'est ça le fonctionnement symboliquement diabolique. Et le corollaire de cet emballement, c'est l'insatisfaction permanente, comme on a dit, c'est-à-dire on n'accepte pas l'événement à l'instant présent. On va toujours chercher les choses dans le futur. Donc, quel est le moyen le plus efficace qui a été donné par les religions pour combattre cet état mental? C'est l'acceptation de l'événement à l'instant présent. Sauf que, comme d'habitude, cette pratique d'acceptation est aussi très très mal comprise. Il ne s'agit pas d'accepter les choses autour de soi sans broncher. Il ne s'agit pas d'accepter bêtement une situation politique ou familiale ou professionnelle. Il ne s'agit pas de se laisser faire. L'acceptation dont on parle, en fait, c'est une observation. C'est une sorte d'objectivité. Par exemple, prenons le cas de l'observation scientifique. C'est quoi? C'est l'observation de la situation de l'événement extérieur sans jugement. Hein, imaginez-vous une scène d'accident sur la route. Les gens arrivent, il y a des morts partout, il y a du sang, c'est horrible. Donc ils sont tout simplement horrifiés par la scène. Alors que quand il y a les inspecteurs qui arrivent, la police, ils vont prendre des relevés, ils vont faire des relations de cause à effet et ils vont essayer de comprendre ce qui s'est passé, objectivement. L'acceptation ou la soumission dont parlent les religions, hein, c'est le sens profond du mot musulman d'ailleurs, c'est la même chose mais à l'intérieur de sa tête, c'est-à-dire être capable d'observer ce qui se passe dans son mental, sans jugement. C'est à peu près la seule manière valable, c'est la seule manière efficace de monter en niveau de conscience. Alors quelle est la grande différence entre les deux types d'objectivité, c'est-à-dire qu'avoir de l'objectivité extérieure, c'est-à-dire regarder les événements extérieurs objectivement, et avoir de l'objectivité intérieure, regarder ce qui se passe dans sa tête objectivement, c'est que dans un premier cas, quand on regarde les événements extérieurs, l'objectivité se fait temporellement. On essaie de trouver des rapports de cause à effet dans le temps. Alors que l'objectivité à l'intérieur de sa tête, ça se fait à l'instant présent. Il n'y a pas de cause à effet, c'est tout de suite là, maintenant. C'est ce phénomène-là qu'on appelle l'état de présence. C'est une objectivité intérieure. Observer sans jugement l'événement que lui montre le mental à l'instant présent, et dévoile l'espace qui est en dessous du mental, et l'espace qui est en dessous du mental est la conscience ou la vie. Donc si on revient au phénomène d'acceptation, il s'agit d'accepter entre guillemets l'événement de l'instant présent, et non pas une situation politique ou une situation professionnelle. C'est un événement, c'est instantané. Donc en conclusion, c'est quoi le diable? Ça symbolise quoi? C'est la conscience lorsqu'elle s'identifie avec le mental.
Le diable, c'est un ange à la base. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ange? L'ange, dans le langage religieux, c'est l'équivalent de l'intelligence dans le langage philosophique. Les différents types d'anges, Michael, Gabriel, etc., sont les différents types d'intelligence, comme par exemple les intelligences actives ou passives de Aristote. Et le diable, c'est un ange, donc c'est une conscience, c'est une intelligence, mais c'est un ange déchu. C'est une conscience qui s'est identifiée avec le monde matériel des formes.